Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France, objectif Afrique, objectif colonie d'Afrique. Moi en gros on veut toute l'Afrique à nous. Voilà. Dans l'épisode précédent on avait conquis l'entièreté du Maghreb, enfin une bonne partie du Maghreb, pas du Maghreb actuel mais du Maghreb de l'époque. Et là, dans cet épisode, on va essayer de stabiliser un petit peu l'économie et conquérir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Au moins une petite partie, j'espère. L'Afrique de l'Ouest. On a pas mal de soldes au niveau de l'argent, ça c'est bien. Il me semble qu'on a une seule pénurie, c'est les moteurs. Enfin, ce sont les moteurs. Faible accès au marché, le Rhône. Ouais, en pénurie de moteurs, c'est ça. Ouais. C'est pas très grave. Et là on a deux, ouais, c'est bien, on a deux industries automobiles qui se font en Limousin. On va avoir quelques usines au papier pour faire baisser le prix du papier, il me semble qu'il était cher. Oui, le papier qui est assez cher. Il y a combien? Ça va encore, mais c'est vrai que c'est pas donné. Ça c'est de l'exportation, donc on est bien, ça on s'en fiche, on s'en fiche. On fait un petit tour. Ah, de la soie. On en exporte. Ah, c'est vrai qu'on en a à Pondichéry de la soie. Et pareil pour de la teinture ciment, on en a en rade. À Pondichéry, on peut faire de la teinture et de la soie. Ah, pas de soie, non, que de la teinture. Pour faire 46, ça peut nous servir. Pour tout ce qui est production de vêtements et de papier. Il me semble qu'au bout d'un moment, de la papier, ça va me demander. Au papier, oui, c'est là. Le papier demandera, il me semble, du la teinture. Ouais, bingo. Bon, il faudra le blanchiment optique pour ça, c'est pas très grave. Pardon, j'ai vu. Ah, c'est le soufre qui est pas cher. Le soufre, on en produit là. On produit, on a 3 mines de soufre, la vache. Le fer, on a réussi à bien baisser son prix, c'est cool. Les outils, on a un peu de charbon, le charbon qui est un peu cher. On exporte, c'est pour ça. Ok, ça me va. Le verre est cher. Et il me semble, je dis pas de bêtises. Non, ça on l'utilise pas encore pour les secteurs de construction. Si on en utilisait pour les secteurs de construction, là, j'en aurais fait de suite. Mais là, on n'est pas trop mal en soi. Tout est en verre plombé. On fait un petit peu de céramique. Après les billes, ah ouais, dans le bois est cher. On exporte, c'est pas possible. Non, même pas. On a peut-être besoin d'en importer. Au niveau des routes commerciales, on a ce qu'il faut au niveau convoi. On importe des objets d'art, des états pontificaux, ok. Alors je vais juste voir si le bois, on peut en importer. On va en importer du marché prussien, c'est bien, ça va augmenter un petit peu nos relations. Ouais, l'attitude prussienne est cordiale, ça c'est vraiment cool. Bon, les Anglais hostiles comme d'hab. Autriche coopérative, les Espagnols ils sont hostiles. On a la nitroglycérine, ça c'est cool. Là on va avoir le nationalisme bientôt. Et je partirai 8 ans, c'est long quand même pour la dynamite. Hein. J'ai bien envie de partir là-dessus, mais. Ce que je pourrais faire, c'est faire les chaudières à tube d'eau. Qui m'accélérera la dynamite. On verra en fonction du temps de recherche de la mission civilisation. Qui là est basée sur 6 ans. Mais là, vu que je débloque une techno, peut-être que ça me prendra 5 ans avec un peu de chance. Tempête. Ah ouais. La famine risque de sévir. Ah non, non, je peux pas me permettre d'avoir une famine. Même si j'ai rien en Guyane. Éviter. Ok. Investissement accru niveau 3 en affaires coloniales et en éducation, c'est bien. On va pouvoir augmenter cette colonie-là. Le
Là, on n'a toujours pas fermé, là. Non, dommage. Elle fait d'avoir la quinine aussi. Fait que, voilà, tout là, je suis accéléré au niveau de la colonisation. Hop, donc là, je vais rajouter là. Et ouais, vous voyez la vitesse de colonie, là, 110 jours. Et pourtant, j'en ai un paquet, hein, de colonies qui se font un peu partout. Hein. Logistique disponible, ok. On a ici. Sahara occidental russe. Oh, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, sérieusement, là? Ah, c'est pas tous les jours qu'on les voit ici, hein. C'est pas de chance. Ok, je vais prendre cette région aussi. Attends, quoi? J'ai vu 1200 jours là. Pourquoi c'est aussi long en Sénégal? Ils ont pas eu d'isthme grave? Ah non. Ça va pas. Faut que ça recalcule. Ah, c'est chiant, des fois ça arrive. C'est pas grave. Je vais établir un intérêt ici et. Non, ici je peux pas. Bah oui, j'ai l'intérêt pour le Congo. Ah, j'ai pas la techno, bah si, j'ai la quinine. Ça m'ouvre tout normalement. J'ai Guinée orientale, mais je crois qu'il y a les Indes orientales qui viennent m'embêter vite fait après. Puis c'est pas notre objectif en soi. Ça ralentirait l'établissement des colonies en Afrique. Ce que l'on veut pas. J'ai pas vu, je n'ai plus de construction en cours. Mamma mia, c'est pas bon. Alors, pénurie de biens entrants. Ah bon? Ah, je pensais que j'étais large. C'est quoi ça? Un soulier de la Sarre, ok. Ah mais oui, mais c'est parce que j'ai fait du des usines de moteurs, c'est pour ça. Ok, on est à 65, il nous en manque 100. Ok, on va mettre 3. On a ce qu'il faut en fer, on a ce qu'il faut en charbon. En fer, on est carrément bon. En charbon, on exporte, donc on est bon aussi. Et on va voir maintenant ce qui peut nous manquer. Il nous manque des outils, on va en exporter 300. On n'exporte pas tant que ça. Ah! C'est d'accord, non, c'est parce que je suis en pénurie, très bien. Ok. Ok. Que je ferais pas ça. Ça demande pas mal de bois dur en vrai. Et en mode de luxe, je suis pas trop en dèche, donc non, on va pas le faire de suite. Les usines chimiques. Ouais, je garde en tête que je pourrais mettre le procédé solvé. Parce que là, je suis bien, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Le verre sera cher, tiens, c'est une occasion pour augmenter la production de verre. Tout ça, on est bon. Contre bûcheron, on va faire du feuillu. Ça va nous augmenter la production de bois dur. Là, au niveau des clippers, va falloir que je fasse des clippers. Ok. On a pas mal réformé. Et ça vaudrait peut-être même maintenant le coup. La porcelaine serait pas très chère, mais ça baisserait le verre. On va pas le faire de suite non plus. Ah non, le bois dur sera toujours cher de toute façon. Ok. On va augmenter de 2 niveaux là le chantier naval en Normandie. Ouais, vive la Normandie! Pas la Normandie de là, hein. Vive la Normandie de là, hein. La basse Normandie. Désolé hein, s'il y a des amis rouennais ou des amis du Havre, mais la basse Normandie a jamais dans mon cœur. Le drapeau de la basse Normandie est beaucoup plus beau. Le drapeau à Lyon, c'est le nôtre. Ah bref, je rigole. À fin qu'à peine, mais un petit peu. Artillerie chère. Ah. Gouvernemental coûte les outils parce qu'on peut pas en produire vu que c'est de la pénurie. Ok, ça me va.
On va produire de l'artillerie en Loire. Avec la Loire qui en fait? Ils en font ici aussi, c'est bien ça. En Pays de la Loire, allez. Je dois en exporter en plus, hein. Là, je suis à moins 70. C'est pour ça que j'en exporte, mais pas des masses. Je vais en faire deux niveaux en plus. Ça me permet de payer un peu moins cher tout ça. Au niveau de l'infamie, on est toujours méprisable. On a moins 35. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, c'est pas cet épisode qu'on va... qu'on va faire autre chose que de la colonisation. Ah, ok, on a fini la colonisation du Sahara... occidental. Ils sont en train de se battre les deux là pour le Sahraoui. On va aller au Cameroun, parce qu'au Cameroun il me semble qu'il y a que du paludisme normal et que par contre en dessous on est sur du paludisme grave, ouais. Là il veut pas. Hein. C'est paludisme grave ici ou c'est paludisme normal? Paludisme normal, ah, ok. Là tout là, ça conquit pas mal. Ok, on a le nationalisme qui a été recherché. Alors, comme on disait, est-ce qu'on fait mission civilisatrice de base? 5 ans. Putain, c'est long. Ça, on en a pour 24 mois et ça peut nous servir au niveau de la prod. Je vais faire ça. Est-ce que j'ai une recherche qui se fait automatiquement dans le niveau de la société? Ouais. J'ai l'assainement, réseau d'assainissement moderne. C'est bien, ça va faire baisser le nombre de... Enfin, le temps de recherche pour le reste. Le militaire coûteux, j'ai bien fait de mettre dans la liste les productions d'armes. Le Cameroun méridional isolé. Ah oui, zut. On va faire un autre port. Effectivement. Allez. Si l'anglais pouvait rester chez lui, juste le moment que je prenne toute la côte du Cameroun, ça m'arrangerait. Alors, est-ce que je peux améliorer mes relations? On va le faire, hein, si on peut. Ah, il n'y a pas grand monde. Avec l'Egypte, ok, tout ça c'est pas mal. Bah... avec le territoire indien, super. Ah, ça coûte trop cher. Alors, il faut vraiment exprimer son inquiétude au sujet des dimensions. Oh, c'est bon. Ils sont à combien? Ils sont à moins... Non, ils sont à plus 2. Ouais, bah ils accepteront. Purée, par contre, la tête du truc, 47 là, oh là là. Au niveau du gouvernement, c'est pas ouf, hein. Aïe, 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 aïe. On n'est plus en pénurie, on est en bien coûteux, ça c'est bien. Je pourrais peut-être augmenter même le nombre de secteurs de construction. Ok, ils ont découvert de l'or au Mexique encore. Ils ont de la chance. Oh, il est même pas lui. Oula. Ouais, je suis méprisable. Ça, on a dit qu'on verra plus tard. Au niveau du journal, il n'y a rien d'intéressant. Reportage de l'isthme de Suez, c'est trop tôt. J'ai clairement pas assez de bureaucratie. ce que je pourrais faire, c'est bien, on a maintien de l'ordre public, affaires intérieures, on les a déjà. J'ai pas besoin des... Oula. Alors, on a des élections, on a pas mal de votes pour le parti radical. Aucun contrôle migratoire, on a de la censure. On va essayer ça pour, comme c'est pour l'instant. Imposition par tête, on peut pas faire mieux, protectionnisme. Très bien. On a du non-interventionnisme. Ça radicaliserait les syndicats de travailleurs.
Ça peut être pas mal, hein. Tout ce qui est manufacture, mine, exploitation. Chasse à la baleine. Ça pourrait être pas mal. On va tenter de le faire passer en non-interventionnisme. Accord commercial de la Prusse. Ouais. Ouais, clairement. C'est-à-dire que je m'entends super bien avec. Et s'il y en a bien un qui peut m'embêter, c'est lui. L'anglais peut être un peu gênant, mais sans plus. Par contre, eux, ils peuvent être, ils sont badass. Hein. Ils tapent fort, comme on dit. Agriculture inefficace. C'est industriel, ça sert à nos objectifs, ils sont heureux, les industriels en plus. Ok, mais par contre, on est bien remonté au niveau du gouvernement. On est passé à 65%. Donc en Tasmanie, ils ont découvert de l'or pour changer, ça on s'en fiche. Donc, pas de réforme. Ok, j'ai ma liste de construction qui est. Qui contient passé. Oh, on avait dit du verre. Oui, je me souviens, on avait dit qu'on manquait de verre. On va en faire deux manufactures supplémentaires. On manque d'explosifs? Ouais, c'est que tout n'est pas pourvu. Ouais, il va falloir pourvoir un petit peu, mon ami là. Un isolant transfrontalier avec la Suisse. J'ai pas mal de manufactures, ce sera mieux d'investir. Ouais, plus 3000, hop. On avait toujours de la marge, il me semble qu'on était à. Ouais, voilà, on est encore à plus 5. Donc on a le bonus moteur de progrès plus 10. Moins 10% de coût de technologie de production, ça c'est bien. Merde, mon avis méthode. Oh. Ah, ça compense. On va dire ça compense. Mauritanie, Britannique. Bah, c'est dans le coin ça. Où est-ce qu'ils l'ont fait? Ah purée, il s'est mis là. Oh l'enfoiré. Va vraiment falloir lui remettre les idées en place aussi à l'anglais. Hein. Bon voilà. Par contre, on n'a clairement pas ce qu'il faut. Hein. On est un peu méprisable. Non, mais on ira lui choper des territoires ici, alors, en Afrique. Tant qu'il les a pas. Alors, ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais tant qu'ils sont pas. Je me souviens plus du terme. Incorporés, voilà. Ils sont moins chers, il me semble. Là. Ça demande moins de. La famille. Okido. Okido est totalement à moi. C'est parfait. On va améliorer les relations avec le Japon. Ok, c'est pas un pont, un pied à terre. Là, j'y vais pas, hein, comme je disais. La Sakhaline, elle a rien, quoi. Un peu de fer, un peu de charbon, mais il n'y a pas assez d'habitants en fait. Il y a ce qu'il faut en minerai, hein, c'est super, hein, mais il n'y a rien d'autre quoi. Ok, il va falloir que je relance des constructions. Alors. Le verre, c'est bon, ça, c'est le temps que ça se fasse. On va remettre un tout petit peu de clipper. Pas plus que ça, pas plus haut que le bord, comme on dit. À vérifier que les accès au marché sont bons. Les accès au marché sont bons. Opium thé, mais tout ça on peut pas. On est encore en déchet hein, là-dessus, hein, c'est fou. Alors, on va en produire. On va en mettre une autre là-dessus. Au niveau des colonies, il y a le Congo, mais ça. Il y a encore le paludisme, donc non.
Ah, ils veulent pas fermer là, ça c'est embêtant. Si jamais il y a quelqu'un qui vient, je suis douillé. On a le nom d'interventionnisme, oui, c'est vrai. Dis-moi qu'il y a un truc positif au moins. Intervention du roi. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais. Mais plus 20%. Ouais, plus 20 ou moins 10. Non, non, clairement, je prends les plus 20. Bon, ils vont pas être contents là par contre. Ouh, les ruraux. Les ruraux, ils sont au bord là. Ils n'en peuvent plus, les ruraux. On se calmera un coup après. Le fer est cher et les outils également. Pourquoi les outils sont chers? On m'en importe, c'est ça? On m'en vole? Ouais, on m'en vole. Et le fer, il est où? Franche-Comté. Alors on va ferrer. Je vais pas prendre la nitroglycérine, ça fait beaucoup trop de pertes humaines. Ok. On va faire 4 mines de fer et on va faire 2 mines de. 2 fabriques d'outils. Ouais, c'est bien ça. Au niveau du PIB, on a augmenté un petit peu, c'est pas non plus énorme. La quatrième mondiale, il va falloir qu'on passe. Objectif, passer devant la Grande-Bretagne. Hop. Et là, ça avance pas trop mal. Là, on a notre dernière colonie, là, normalement. Attends. Ah non, non, faut prendre Igbo en entier. J'aimerais bien aller chercher le Twat. C'est bizarre là, pourquoi je peux pas. Condition suivante. Nous ne pouvons pas atteindre cette étape. Ah merde, ah ouais, bah oui, il y a ce passage-là, je l'ai pas vu. Ah zut, c'est bête. Six cent cinquante-deux jours, faut vraiment que ça se mette à jour ici. Hein. Ok, on va accélérer un petit peu. Là, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Outil fer, tension élevée, ce serait bien là si ça pouvait éclater comme ça permettrait de conquérir l'ensemble d'un territoire plus rapidement. J'y pense au niveau du charbon, je vais peut-être faire du charbon. Alors pourquoi je vais faire du charbon? Déjà parce que il coûte un tout petit peu plus cher. Mais surtout parce qu'au niveau des bâtiments, il me semble que j'ai pas activé un centre urbain lampadaire. Ça me demandera 650 de charbon. Très bien. On va aller chercher les 650 de charbon. En Picardie. Ouais, hop. Allez, on va faire tout ça en Picardie. On vérifie, on a l'accès. Ouais, voilà, je vais avoir de la mine de charbon en Picardie. Ça me demandait de l'outil, forcément aussi. Faire 4 niveaux d'outils en fait, je vais pas en faire que 2. Quel interventionnisme, on a 38%. Alors, ah, il bloque maintenant 10 minutes 15%. Ah, c'est moche là. Ah, c'est moche par contre, c'est vraiment pas de bol. Du moins 10, etc. Je veux bien là, du moins 15. Oh. Ah, j'ai intérêt à en avoir un plus 15 après. Hein. Exclusion culturelle. Ah non, ça sort hors de question, les gars. J'ai réussi à la faire passer. Ouais, c'est la brème, ça. Non, on s'en fiche.
Un don de connaissance en champagne, ça c'est bien. Déjà, les industriels vont être plus contents. Oh putain, les ouh là les ruraux. Ouh là là, ils me faites pas une révolution les ruraux. C'est pas le moment. Les industriels, ouais, comme je disais, ils vont être contents et puis ça me rapporte aussi de la vitesse d'innovation technologique. Et ça, c'est bien. Ok. Donc là, on est sur production, on a les machines à vapeur, là, ça mettrait 7 ans les dynamites. Oh putain. Un broglio diplôme. Oh, mais la vache. Ah ouais, non, mais là, j'ai vraiment pas de bol, hein. Ah, je me prends moins 25 là d'un coup. Enfin, si j'avais pas fait ça, je me serais pris du moins 30, je crois. Voire même du moins 35, je sais plus. Là, j'ai vraiment pas de bol sur l'aléatoire. Purée. Ça va augmenter les radicalistes, ça va. Prendre plus de temps également. Ok, on a le réseau d'alimentation moderne disponible. On a les chaudières à tuba. On était sur 7 ans dynamite, on est encore sur 7 ans dynamite. Mince. On peut se faire le procès des Bessemer. Ça permettra de produire plus d'acier avec moins d'usines. Ouais, c'est clair, allez, je vais faire ça. Hop. Action diplomatique, on va essayer d'améliorer nos relations avec l'Espagne. Non, la Grande-Bretagne, non, j'ai pas envie. Et la Russie. Non, j'ai pas envie non plus. Et ils sont partis foutre des colonies là-bas, là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc non. Avec le Danemark? Marque Suède Norvège, allez hop, avec les pays scandinaves. Un petit peu d'agitation, ouais, tu m'étonnes. C'est pas content. Après, là en infamie, je suis redescendu, ça c'est bien. Ouais, c'est vraiment cool. Allez les gars, on y croit, s'il vous plaît. Là j'ai mes mines qui fonctionnent, ça produit, ça produit, ça produit. Ça devrait exporter même, je suppose. Hein. Route commerciale moins 30. C'est pas énorme. On est toujours en solde négatif. Eh ben. Ah, mais je vais pouvoir faire les motopompes, c'est vrai ça. Non, mais sérieusement. Je me prends trois trucs négatifs sur la tronche d'affilée. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, la RNG, c'est plus ce que c'était, hein. En découvert en Victoria. Ouais, ma Nouvelle-Galles, quoi. Ici. Ils sont pétés, hein. Ils sont pétés d'or là-bas, hein. C'est ouf. Je veux dire, la plus grosse pépite d'or a été découverte en Australie, il me semble. Historiquement. Allez, ce que je vais faire. Que je vais pas augmenter je vais pas augmenter non plus comme un baiser, pardon, je vais pas augmenter trop les mines de charbon parce que je viens de penser que j'ai débloqué les motopompes à condensation. Alors certes, ça va me faire consommer plus d'outils, beaucoup plus d'outils, mais ça va me faire aussi augmenter ma production de charbon, genre vraiment. Ouais. Là, je suis plus 40 sur le marché français et je vais arriver à moins, je sais pas combien. Bornéo, non, ça intéresse pas. Moins 400. Ah ouais, je me tape un bon delta. On va commencer par se faire 4 fabriques d'outils. Hein. J'espère que ça mettra pas trop trop cher l'acier. À mon avis, je vais devoir vous monter dedans encore. Ouais, allez hop. Canon obus, c'est bien, ça me fera toujours une petite techno militaire. Il faudra que je développe d'ailleurs. Hop, tac, est-ce que je peux augmenter ça?
Allez, on va faire ça. Si l'engrais est cher, je l'importe du marché, c'est pas grave. On va juste laisser un peu le temps de se stabiliser pour l'engrais. Le gouvernemental coûte... ouais, ça c'est normal. Alors Victoria, ouais, toujours et encore. Et ça c'est bon, en fait. Ah ouais, là je vais pouvoir produire pas mal de blé. Ouais, c'est bon, on est dans le positif. Agitation en Tunisie, oui, c'est pas là. C'est extrêmement grave. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Là, on est à 31 jours. Vous vous souvenez, là, on avait 600 jours, je crois, pour choper du territoire. On va passer à combien? 1000? Mais... il se passe quoi sur cette région? Il n'y a que le paludisme. C'est grave, là, ce qui se passe. En 90% en fonction. Ouais, mais le paludisme, j'ai la quinine. J'ai l'impression que ça s'est mal calculé. Ouais. Pour une raison que j'ignore, le calcul au niveau de la quinine, c'est pas fait. Ouais, bah... ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, pour cet épisode. Et... ah oui, ils l'ont mis, ça. Ils l'ont mis. Cherchez sur Internet si ça vous dit quelque chose. C'est connu. Je crois que ça s'appelle la porte des enfers, ou la porte du diable, ou un truc comme ça. Il me semble que ça s'appelle un truc, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est exactement ça, mais... on peut le voir pareil de Google Maps, c'est marrant. Ah oui, donc sur ce, on va se laisser ici, ça fait une demi-heure. Je relancerai le jeu pour le prochain épisode et on va voir un petit peu si c'est un bug de rafraîchissement ou pas au niveau de cette colonie. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve dans les prochains jours pour le prochain épisode. C'était Chubb. Ciao !